et qui est bien présent ce soir. Le ballon pour Marzouki. Marzouki, il y a une petite histoire hein, ce soir autour de lui avec le premier ballon à la pointe et c'est un but. D'accord, le premier but de Matija. Le capitaine. Et c'est là où il faut être sérieux, hein. faut bien défendre. C'est pas son poste de prédilection, Charles. Donc, l'égalisation évidemment des joueurs de Vic qui entraînait cette équipe, qui a même été trois fois champion du Monténégro avec cette formation qui a réussi à doubler la saison dernière. Attention avec cette frappe à l'aile, le ballon envoyé par Marine Dat. Drazen Kujacic. Allez, ça va faire tourner contre le Monténégro. Une plus donc pour le Monténégro. Et tir rapide. La frappe de loin de Vuk Drašković. Qui lui passe. Ça passe très haut. Et encore le jaillissement. Et le ballon qui reste pour les Monténégrins. Ils n'ont plus que 5 secondes pour tirer. Ah là là. On l'a pas bien fermé de ce côté-là. Corner non plus, il n'a pas touché. Exactement. Allez, ballon relancé par le gardien international avec son transformation pour un autre national. Charles Cannon, la frappe de loin. Oh, elle est belle, ça, un petit peu de position. Charles Cannon encore. Ah, voilà. Il a réussi. Ah, il s'est approché tout près de Crash. Et son frère qui évolue du côté de Strasbourg. Allez, là, il faut défendre. Il faut défendre ce petit but d'avance. Avec un avantage, certes, mais ô combien important. Avec cette frappe de loin et encore le rebond. Et 20 secondes exactement, ça repart à 20 secondes. 20 secondes de possession, mais le joueur exclu a pu rentrer parce qu'il rentre au bout de 20 secondes d'exclusion. Donc on a un nouveau égalité. Mehdi Marzouki encore avec le rebond. Oh. Et le ballon qui est rentré. Ah, il a tenté un crash. Mais ce ballon, le numéro 12, Kujacic qui est présent également. Le voici Kujacic qui était servi, qui va s'avancer devant crash. Oh, il a été pris. Il a été pris par une faute du numéro 2. Le gardien qui doit être sur sa ligne. Ah, Marzouki ne laisse pas passer l'occasion. Ça s'installe maintenant. Il reste que 10 secondes déjà, ça passe vite. Hein. Bah, c'est vision de position. Là, je pense qu'il va réussir. Voilà. Un lob. Très beau. Qui finit au fond des filets. On voit que le défenseur, voilà. Le défenseur de Tourcoing défend sur le côté. Ils vont essayer de reposer à nouveau. Non, ils font tourner à droite encore. Toujours à droite. Il y aura un tir, je pense. Ouais. Voilà. Ah, le shoot. Ouais, il a vu qu'effleurer le ballon. Et également en Eurocup, ici à domicile, lors du mois de janvier. Exactement. Ça, c'est quand même sympa, alors que la piscine de Tourcoing n'était pas homologuée pour cette rencontre. Très sur beau, le ballon. Voilà. Oh, le but. Voilà. Oh, il est bien joué tout en détente. Cette zone plus. Ouais. Il reste 10 secondes dans la possession. Ça tourne, ça monte. Ouais. Ouais, on va encore jouer sur le côté droit. Allez, on décale, côté gauche cette fois-ci, ouais, avec le rebond, il a trouvé un trou de souris, Marko Mirsic. Le ballon, toujours pour les joueurs de Tourcoing, Cannon en position, il est pris, Cannon. Allez, le ballon qui arrive sur l'aile. On joue sur la pointe, et encore un but. Une nouvelle fois. À l'issue d'une première mi-temps, des deux premières périodes, parfaitement bien gérées. Oui, on signe pour la même chose sur la deuxième partie. Exactement. Ah, il va y avoir un tir de loin et un lob. C'est un lob et un but. Réduction de l'écart de Marc. Mais ça va replier, oui. On a un petit peu d'avant, je ne sais pas si on tire à bénéfice de la contre-attaque. Non, ils ont préféré poser le jeu. Ils ont préféré poser le jeu jusque-là. Ah, sinon, non, voilà, il passe. Oh, c'est bien joué là sur la pointe. Oui, voilà, pénalty. Et ça sera un pénalty. Sur cette frappe du second. Avec Marzouki, contre-pied parfait. Il y a un petit peu de mal à revenir hein, sur cette action. Ouais, il faut jouer sur la gauche. Hein, Marzouki. Voilà. Marzouki, bien joué. Voilà. Et ça fait un but supplémentaire. Ça zone également pour la défense de Cotard, mais il y a deux options là, de tir. Ouais, ça s'attire à gauche là. Et arrêt du gardien. C'était le seul endroit hein, où il pouvait shooter. Ah. Et là aussi, un bonus de punition, un but supplémentaire. Défense, mais la contre-attaque, oui, on est un peu plus loin. Kopsevich, une belle possibilité, il n'est pas attaqué, il a servi sur l'aile. Kopsevich là qui continue, et finalement, le ballon qui arrive jusqu'à Ungheser. Mais ça montre bien que le jeu est un petit peu altéré. C'est bien de pas prendre ce tir-là. Et ben là, hélas. Le ballon qui est pour les Monténégrins et le but de Marko Mirsic. Attention. Oui, plus un plus. Marzouki. Il faut tenir, ça serait bien qu'on ne score pas là-dessus. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué Antupomovic, on vous l'a dit, hein, défensivement il a du mal, mais offensivement
Il a toujours le bon. Possession. Kassar encore à Zivkovic. Alors on fait tourner le chrono côté nordiste. Très bien. C'est bien joué avec ce ballon relayé de Lucas Djuric. C'est très très bon.